2021, c'est les travaux d'église, toiture et chauffage, et l'élagage et l'abattage des saules pleureurs au bord de l'autisme du fait de leur maladie. Pour moi, ce fut le retour d'une certaine convivialité qu'on avait vraiment perdue en 2020 avec le 14 juillet et toute son ambiance, et puis le repas des aînés qui a permis à aussi une grande partie de la population de la commune de se retrouver. Moi, ce qui m'a marqué pour 2021, c'est effectivement la réouverture du foyer des jeunes et le repas des anciens, qui était une des grandes réussites de l'année. Tout ce que je retiens de 2021, c'est l'engagement du collectif à maintenir un certain nombre d'activités, malgré le contexte du Covid. Mais malgré tout, nous avons quand même réussi à organiser la journée citoyenne et à reprendre également les rencontres intergénérationnelles qui sont très importantes entre les personnes âgées et les enfants de l'école. On a aussi fait une nouvelle manifestation, les après-midi récréatifs. Malheureusement, la situation nous empêche de les poursuivre car il a été décidé de faire une animation mensuelle le quatrième dimanche de chaque mois. Plusieurs événements marquants sur 2021, mais si je devais en retenir un, je dirais le lancement du foyer des jeunes et le travail que ça a nécessité, notamment l'enquête auprès des jeunes, le travail en partenariat, mais aussi l'organisation des portes ouvertes. D'ailleurs, je tenais à remercier toutes les personnes qui se sont investies dans ce beau projet. Pour moi, 2021 était une année de préparation, de travail de fond et aussi le passage du Père Noël en calèche pour distribuer tous les cadeaux. A été une année difficile, mais avec l'ensemble de l'équipe municipale, nous avons tout fait pour tenir bon, tenir le cap. Puisse cette nouvelle année voir se réaliser vos projets, ceux qui vous tiennent le plus à cœur. Toute l'équipe municipale, les élus et les employés se joignent à moi pour vous présenter nos meilleurs vœux. Bonne année à tous.